Bonjour à tous. Bienvenue au premier entraînement du club cycliste. Alors aujourd'hui, on va faire un entraînement que je vous propose qui s'appelle le Sweet Spot with Steves. Donc, pour participer à ce training-là, on offre aux membres du club certaines activités virtuelles pour se dégourdir les jambes, faire quelque chose en attendant qu'on soit capable de rouler en groupe. Donc, aujourd'hui, c'est un entraînement virtuel. On offre autre chose aussi, on offre des sorties virtuelles. Si vous avez l'application Zwift, vous pouvez les mercredis et dimanches, comme nos vraies sorties, venir en sortie virtuelle. Si vous avez l'application Zwift, vous avez juste à essayer de trouver le club sur l'application, le Companion App, comme on appelle. Sortie virtuelle, Club Cycliste de Lévis, tu me rappelles bien. Et vous pourrez recevoir des rencontres pour y participer. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est un entraînement. Donc, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Une connexion Internet, YouTube, comme vous avez déjà. Une base d'entraînement, peu importe laquelle, une base dans n'importe quelle va suffire. Et puis, je vous suggère un ventilateur et assurément de l'eau. Donc, si vous avez ça, vous allez être correct. Je vais vous dicter, vous voyez déjà en bas de l'écran le training qu'on va faire aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a une ligne grise qui va avancer pour vous dire où qu'on est rendu. Mais je vais vous les dicter aussi, je vais vous dicter l'effort qu'on devrait, que vous devriez être, que vous devriez fournir pour compléter l'entraînement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'entraînement en soi. Et puis, je vais vous dire comment qu'on va fonctionner. Donc, l'entraînement, c'est celui-ci. Premièrement, 10 minutes d'échauffement. Alors, on va partir de à peu près 25% de ce qu'on appelle notre FTP. Là, mais 25%, grosso modo, c'est très, très léger. Et on va monter jusqu'à 75%, qui représente environ un 5 sur l'effort. Fait que on travaille un peu, mais c'est pas nécessairement fatigant, fait que ça fait juste réchauffer le corps, les muscles circuler le sang. On se prépare à dire à notre corps qu'on va fournir un bon effort. Par la suite, on va faire des petits intervalles relativement doux, 3 fois une minute à 75, alors environ 5 sur 10 là, au niveau de l'effort. 1 minute à 50, donc 50% c'est à peu près très légère résistance. On tourne les jambes. On fera ça 3 fois pour après attaquer vraiment le cœur de notre entraînement. Ça va être un entraînement quand même relativement difficile aujourd'hui. J'en ai choisi un bon. Sweet spot, ben le sweet spot, c'est une partie qui quand on roule un peu en bas de ce qu'on appelle notre FTP. Donc on roule en bas de notre limite, grosso modo. Donc, à la longue, ça devient inconfortable. Mais c'est le genre d'entrée de quand vous roulez dans la partie jaune, là, 90%, là, vous devriez être en mesure de rouler plus qu'une heure comme ça. Mais ça devrait être exigeant là, pendant une heure. Ça serait pas facile. Donc, le sweet spot, c'est ça, on roule quand même à une bonne cadence, ça devient exigeant. Donc à la longue, on se fatigue. Mais là, ce qui vient vraiment renforcer l'entraînement, ben, c'est les petits 45 secondes à 130%. Alors les barres rouges que vous voyez, là, les petits pics qu'on va essayer de tenir pendant 45 secondes, ça, 130%, on est bien au-dessus de notre limite. On est dans une zone où on va faire de l'acide lactique beaucoup. Donc, ça va venir fatiguer nos muscles. Puis après, on va retomber à une zone qui n'est pas très confortable. Donc, on va toujours jongler entre au-dessus de notre limite et en dessous de notre limite, mais pas très loin en dessous. Fait que ça va être inconfortable pour une bonne partie de l'entraînement. Mais ça fait beaucoup d'endurance au corps, ça aide, ça habitue le corps à récupérer. Donc, ça peut ressembler un peu à ce qu'on peut faire dans le club, hein, rouler quand même à un bon rythme. Puis là, avoir un relais en avant, rouler en 45 secondes, une minute à une intensité un peu plus élevée, puis revenir quand même à un rythme soutenu pendant quelques minutes. C'est pas exactement ce qu'on fait en sortie de groupe, là, mais ça peut s'apparenter un peu à ça. Donc, on complète l'entraînement comme ça pour 12 répétitions. Et par la suite, 9 minutes de un cool down.
on continue, on n'arrête jamais le moteur à chaud, on continue de faire rouler un peu le sang dans les muscles, essayer de faire circuler toutes les cochonneries qu'on a dans nos jambes. Alors, ça aide à la récupération et tout ça. Donc, on en a pour une heure de plaisir, vous allez voir, ça va être agréable. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, vous pouvez embarquer sur votre vélo, commencer à vous échauffer. Vous allez voir, pendant l'échauffement, je vais vous expliquer comment ça va, comment qu'on va fonctionner. Donc, on commence, on pédale tout doucement. On commence à se réchauffer. Donc, de la façon dont ça va fonctionner, ben, pendant tout l'entraînement, vous voyez en haut, ben, on va commencer par en bas. En bas, vous voyez l'entraînement en soi. Alors, vous voyez la pente grise qui devient bleue. Ça, c'est notre échauffement. Et puis, par la suite, vous voyez les barres jaunes et rouges là, qui se succèdent. Ça, c'est le cœur de l'entraînement où on va faire nos intervalles. Donc, je vais vous dicter combien de temps qu'on fera, quel effort qu'on doit le faire. Si vous avez manqué ce que je vous ai dit, vous pouvez toujours regarder à l'écran. Vous voyez là au centre de l'écran, c'est mon wattage à voix. Vous n'êtes pas obligé de vous en soucier, mais vous voyez actuellement c'est marqué un 80 dans un carré gris avec une barre grise qui devient grise foncée. Ben, au bout de ça, vous voyez, il y a un petit timer qui descend. C'est marqué 8,45, 8,44, 8,43. Mais ça, c'est le temps qui reste dans l'intervalle. Donc, notre réchauffement que je vous ai parlé, là, la rampe qu'on commence avec à peu près pas d'effort. Actuellement, on n'est pas supposé avoir à peu près pas de résistance. Là. On fait juste tourner les jambes, ça va bien. Puis tranquillement, on va l'augmenter. Comme là, il augmente un peu. La résistance augmente légèrement. On en a pour 8 minutes 20. Donc, pendant ces 8 minutes-là, je vais vous parler. Je vais continuer à vous expliquer. Quand le 8 minutes va être fini, ben, je vais vous avoir dit qu'est-ce que je m'attends de vous. Donc, si je m'attends à ce qu'on fasse un intervalle aux efforts ou seulement qu'on roule tranquillement, puis pour combien de temps. Mais vous pouvez toujours le regarder là. Si vous regardez complètement à gauche, vous avez une flèche aussi qui vous pointe à dans quel endroit qu'on est, où qu'on se situe, puis combien qu'il en reste. Là, on est dans la zone grise, 10 minutes d'échauffement. Par la suite, quand on va tomber dans la zone bleue où c'est marqué 3 fois, ben, ça va marquer 1 pour nous dire qu'on est dans le premier. Dans le premier set, parce qu'on a 3 fois ça à faire. Donc, vous pouvez toujours suivre ça visuellement aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser dans le chat ou dans la barre. Là, à droite, vous avez un endroit où vous pouvez écrire. Donc, vous pouvez toujours les écrire là. Je vais essayer de vous répondre si je suis en mesure de le faire. Donc, la résistance augmente tranquillement. On devrait ressentir un petit peu plus de résistance, mais rien d'extraordinaire. Donc, pour bien se réchauffer. Donc, on en a encore pour 7 minutes. Comme je disais, ben, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou si vous entendez pas bien ou si ça va pas bien ou s'il y a quelque chose de pas clair. C'est la première fois que. C'est pas la première fois que je l'essaie, là, mais. On espère que tout fonctionne. Il faut mettre beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à écrire si vous avez des problèmes que je peux vous aider. Par la suite, la résistance continue à augmenter. Donc, ceux qui ont des. Comme je vous disais, peu importe la base d'entraînement que vous avez, vous pouvez faire l'entraînement aujourd'hui avec moi. Donc, il y a généralement deux types de bases d'entraînement. Il y a des bases d'entraînement standard, comme on connaît depuis plusieurs années, avec une roulette en arrière, qui le pneu vient s'accoter sur la roue. Là, vous pédalez, puis c'est une roue d'inertie qui tourne, puis qui vous fait votre résistance. Plus la roue tourne vite, plus il y a de résistance. Donc, souvent, ces bases d'entraînement-là, ils ont deux façons que vous pouvez changer la résistance. Il y en a qui ont une roulette, que vous changez là, 1, 2, 3, 4, puis plus vous montez, plus ça devient difficile. Donc, vous pouvez faire ça quand je vous demanderai d'avoir une résistance un peu plus élevée. Par la suite, ceux qui n'ont pas de roulette, souvent, c'est comme je vous ai dit, là, plus la roue va tourner vite, plus ça va prendre de la force pour la faire tourner.
Donc, si vous changez les vitesses, ça va devenir plus difficile. Donc, si vous allez vers des vitesses plus élevées, qui font tourner la roue de façon plus rapide, vous devrez fournir plus de force, donc plus de puissance, pour être capable de faire tourner la roue. Donc, ça, c'est les deux façons que vous pouvez changer la force. Là, théoriquement, là, je parle que la résistance, ça continue à augmenter tranquillement. Fait que là, la résistance, je la sens un petit peu plus. Donc, comme je vous disais, deux façons que vous pouvez. Fait que souvent, je vais vous dire là, pendant l'entraînement, quand il restera quelques secondes avant un effort, je vais vous dire, pensez à changer vos vitesses, augmenter les vitesses, pour pas vous ramasser à essayer de changer les vitesses quand vous essayez de pédaler plus fort ou plus vite. Il y aura des petites cadences aussi par certains moments. Je vais vous demander d'essayer, surtout je pense que dans les trois premiers sets qu'on va faire, c'est des répétitions à cadence élevée. Donc on va mouliner très rapidement. Je vais vous dire je vais des fois avoir certains commentaires comme ça. Quand je dis mouliner, c'est la cadence de vos jambes. Alors, plus vous pédalez vite, plus vous moulinez vite. Donc même si vous n'avez pas de capteur, vous pouvez vous imaginer, quand je vous dis mouliner vite 110 RPM, les jambes commencent à aller vite. Sur place, là, c'est pas confortable. Les jambes vont très rapidement. Tandis que 80, quand je demande de rouler 80, comme là, je mouline très, très lentement. 80 à l'intérieur, ça se fait bien. C'est un rythme qu'on trouve normal. Par la suite, ceux qui ont des bases intelligentes, qui est l'autre type de base, je vous avais dit qu'il y avait des bases standards. L'autre, c'est les bases intelligentes, comme la mienne. Donc, moi, le programme me dicte les efforts qu'il faut que je fasse. Donc là, vous voyez, quand je vous dis la résistance augmente, j'ai mon petit carré gris, il est rendu à 151 watts. Ça me dit que je dois fournir 151, maintenant 154 de puissance. Donc, la base l'a choisi pour moi. J'ai choisi un training. Donc, lui, il va me le faire exécuter tout seul. Donc, ceux qui ont des bases intelligentes, si jamais vous voulez par la suite, je les mets sur... Je vais les mettre d'avance sur le site web du club, donc vous pourrez savoir quel entraînement qu'on va faire. Puis vous préparez, puis déjà, si vous avez le programme, vous pourrez déjà vous mettre cet entraînement-là, puis suivre avec moi. Ou le créer, il y a des programmes que vous pourrez directement les créer. Je vais partir mon ventilateur, théoriquement. Vous allez l'entendre un petit peu au début, puis ça devrait s'estomper. Vous devriez plus trop l'entendre par la suite. Parce que tranquillement, je vais avoir chaud. Ah, donc, la résistance continue d'augmenter. Rien de trop difficile. Il nous en reste pour un petit 2 minutes d'échauffement. En réalité, les 3 efforts de 1 minute, c'est de l'échauffement aussi, probablement. Donc, 2 minutes avant de tomber dans nos 3 intervalles. Donc là, vous devriez commencer à sentir un peu là, la résistance, un peu plus. Là. Rien pour vous faire travailler très fort. Mais il faut mettre un peu de pression. On doit être à 4 comme type d'effort environ. 4 sur 10. Comme je vous ai dit, si vous pouvez remarquer en bas, la barre grise qui s'allonge pour vous dire où qu'on est rendu dans notre training. Donc, 1 minute 15. Comme je vous ai dit, ça ne sera pas un training facile, mais c'est avec les trainings qu'on s'améliore, qu'on devient plus fort, puis que ça vient plus facile. Nos sorties. On souffre un peu moins dans nos sorties, les doigts. Donc, 50 secondes. Alors là, on devrait commencer vraiment, là, on devrait pas être très loin d'un 5. C'est un effort qu'on pourrait soutenir à ce niveau-là. Probablement une heure et demie, certainement. C'est pas 2 heures facile. Mais quand même, on le sent un peu dans les jambes. 30 secondes.
Donc, dans 30 secondes, dans 20 secondes, on va faire une minute à un effort de 5. Donc, on sent quand même qu'il faut travailler un peu. Le cœur, mon rythme cardiaque a augmenté un petit peu, vous voyez, depuis que je suis tombé plus. Alors, une minute. On continue cet effort-là. Mais comme je vous ai dit, il faut faire circuler le sang. Donc, on essaie des. Il faut avoir une cadence élevée. Alors, il faut pédaler rapidement, bien faire circuler le sang, préparer le corps. Donc, 110 RPM. Pendant encore 35 secondes. Ça va bien. Alors 15 secondes. Dans 10 secondes, on va arrêter. On va pédaler avec à peu près beaucoup moins de résistance. On est plus 3-4. Petite résistance. Rien de majeur. Et puis on peut descendre la cadence très tranquillement. Donc un 80 RPM. 130 watts, c'est. C'est un effort de 3-4 environ. Vous roulez tranquille. En regardant le fleuve quand vous êtes sur la piste cyclable. Vous ne forcez pas trop, c'est supposé ressembler à ça. On avance, on regarde le fleuve. C'est beau. On est content. Alors dans 20 secondes, on va recommencer. Un autre. On va augmenter la cadence à 110. Et puis on va augmenter l'effort vers 5 environ. Ok. Raisonnable, mais on sent la résistance quand même. Ça fait travailler les jambes. Alors dans 5, 4, 3, 2, 1. On mouline. On monte la cadence. On monte la résistance. N'oubliez pas de préparer l'avance. Et voilà, il reste 40 secondes. Vous voyez, mes battements cardiaques augmentent un peu. Alors pour 20 secondes. C'est supposé rester très, très raisonnable. Là. Vous n'êtes pas supposé vous fatiguer. Là. C'est juste supposé ressentir la résistance. Alors dans 3, 2, 1, on revient ça tranquille. On redescend 80. 80 RPM. Très peu de résistance. J'espère que vous êtes prévu de l'eau, c'est vraiment important. Toujours prendre de l'eau dans un entraînement. Oups. Donc, 10 secondes, on va faire notre troisième intervalle. Alors, on va augmenter la cadence, 110 RPM. On augmente un peu la résistance. Et voilà. Comme je vous dis, c'est pas supposé être fatigant. Vous ressentez la résistance dans vos jambes, ça va bien. Faut pas trop se fatiguer parce que le prochain bloc, ça va être lui qui va être. Ça va pas facile. Moi, ça, c'est le type d'entraînement que j'aime beaucoup parce que c'est des entraînements avec des blocs courts. C'est personnel. Mais moi j'aime ça beaucoup, pas bien ben plus que 2 minutes pour un effort, puis après on change de type d'effort. Moi j'aime ça.
Théoriquement, il faudrait pas juste faire ça, il faudrait faire d'autres types d'entraînement, varier. C'est ce qui est important, c'est de varier. Donc, dans 5 secondes, on redescend. Alors, on redescend la cadence, on descend la résistance. Aïe. Bon, théoriquement, le corps devrait commencer à être réchauffé. Il a compris qu'on allait demander un effort. Le rythme cardiaque a augmenté, pas trop, théoriquement pas trop. Mais il a quand même fait des petits vallons. Donc, on devrait commencer à être prêt pour le gros intervalle. Qui arrive d'ailleurs dans 15 secondes, on va faire 2,35. C'est supposé être à peu près un 6 là. Ça devrait commencer à être plus difficile, mais c'est le genre d'effort qu'on peut faire pendant plus d'une heure. Fait que c'est pas supposé mordre, vous êtes juste supposé sentir la résistance. Donc là, vous pouvez prendre la cadence que vous voulez. Je vous suggère de prendre une cadence plus proche des 90. C'est généralement ce qui est conseillé. Donc, vous êtes supposé sentir la résistance un peu plus que tout à l'heure. Ça devient un petit peu plus difficile à pousser. Il faut vraiment... faut travailler, là. Mais c'est pas supposé être... c'est pas supposé mordre, déjà. Parce que ça, vous êtes dans le trouble. Bon, 40 secondes. Dans 20 secondes, ça va être un petit 45 secondes. Puis là, ça devrait être difficile. On parle de 130% de FTP. Dans 10, on monte de plusieurs vitesses, plusieurs coches. C'est supposé être un effort que vous n'êtes pas en mesure de tenir très très longtemps. Donc on y va. On se prépare. Let's go les vitesses. 45 secondes. On se garde une cadence élevée. On est supposé commencer à sentir ses muscles qui travaillent. Let's go! Let's go! 20 secondes. Vous voyez, mon rythme cardiaque a fait un bon saut depuis tantôt. 135, 155. Ici, je suis au-dessus de ma limite, clairement. Ça, c'est le genre d'effort. Ça, c'est le genre d'effort qu'on ne devrait pas... pour vous situer environ, c'est le genre d'effort que vous devriez tenir 5 minutes all out. Et théoriquement, l'effort que vous venez de faire, vous devriez être capable de tenir ça 5 minutes. Ah. Ah, 1 minute 30. Après, on recommence. Ouh, ça va brûler. Je commence déjà à sentir. On a 12 à faire. On a un de fait. On lâche pas. On n'oublie pas de boire de l'eau. C'est important.
On garde la cadence vers les 90. Je vous rappelle, c'est supposé être une résistance moyenne. Ça, vous êtes obligé de travailler pour pédaler. Ça ne se fait pas tout seul. On peut imaginer un petit faux plat. Un petit vent de face, là. Alors, il nous reste une trentaine de secondes. Ah. Mais ici, on serait supposé être en bas de la limite. Vous voyez mon rythme cardiaque qui redescend tranquillement. J'étais à 155. On se prépare. Dans 15 secondes, je commence à penser de changer la résistance ou les vitesses sur votre vélo. En 10. 5, 4, 3, allez, les vitesses, let's go. 45 secondes. Ouh, on essaie d'augmenter la cadence si on est capable. Ah. Vous voyez, mon rythme cardiaque augmente rapidement. Je devrais passer les 160 avant la fin. Allez, 15 secondes. On lâche pas. Oh, ça brûle un petit peu. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ouh. On revient, mais on revient quand même. Une bonne résistance. Une bonne résistance moyenne. Ouh. Là, le but, c'est de jauger votre effort. Dans un training comme ça, il faut faire attention. C'est qu'il faut finir le training aussi fort qu'on l'a commencé. Donc, si jamais il nous en reste 10 encore, dans 2, 3, parce que là, c'est normal que ça brûle. On n'est peut-être pas tout à fait réchauffé. Mais dans 3 intervalles, mettons, qui sont rendus 5 ou 6 vers le milieu. Là, vous demandez, est-ce que vous allez être capable de le terminer? Parce que si vous êtes sûr et certain que vous ne terminerez pas, je vous suggère de réduire un peu. Le but, c'est de finir le plus fort possible. Parce que si on commence un training là, dans nos intervalles, puis qu'on finit là, ça veut dire que c'était pas un bon training pour nous. On l'a commencé trop fort. Ça n'aura pas autant d'impact qu'on aurait voulu. Donc comme si je vous ai dit, ça n'est pas un facile. 30 secondes. Vous voyez mon rythme cardiaque qui redescend pas tant. Parce que je suis juste pas très loin en dessous de ma limite. Bon, le fait que je parle en même temps n'est pas. C'est bon. Dans 10 secondes, on refait un 45. Let's go. 6, 5, 4, 3. On change les vitesses. Let's go. On pédale, on augmente la cadence. Ah, let's go. Let's go. Ah. Ah, let's go. Ah, je vais m'élever un petit peu. Ah. Ok. Ah. On redescend en rythme. Quand même un peu soutenu. Oh. Vous voyez, je commence déjà à me dire que je vais avoir la misère.
ça se peut que je réduise. Parce que mon but, c'est de finir fort. Ah, n'oubliez pas de boire de l'eau. C'est important. On respire bien. On oxygène le plus possible. Théoriquement, ces intervalles-là ne sont pas supposés être faciles. Actuellement, vous remarquerez, mon rythme cardiaque n'a pas tendance à descendre bien. Trente secondes. Oh, ça va être notre quatrième. Alors, je crois que ça va bien. Ah, 6, on va être content. Ok. 15 secondes. On change, on commence à passer, changer les vitesses, changer la résistance. Oh, on mouline. On mouline fort. Let's go, 45 secondes. Secondes. 10 secondes. Oh. Je confirme, je suis parti trop fort. Surtout, actuellement, je fais mes trainings en silence, là, je suis obligé de parler. Mais je vais être obligé de réduire ma puissance. On a 4 de fait. Je suis pas sûr que j'en refais 4 autres. Donc, je vais descendre un petit peu. On lâche pas, on approche la moitié. Oh. 25 secondes. On lâche pas. Ah. On commence à penser changer de vitesse. Changer la force. Let's go. Dans 8, 7, 6, 5. Let's go, on change de vitesse, on mouline pour 45 secondes. Let's go. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Allez, déjà juste 30 secondes. Ah.
voyez, pas l'entraînement, pas la moitié de la fête. Puis, mon cœur commence à approcher sa limite confortable. Il m'en reste encore après, mais théoriquement, je ne suis pas supposé me rendre là trop. Je serais supposé toujours être pas loin. D'à peu près 170. Pour moi, là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis vous êtes capable de taper en même temps que pédaler. Ah. On a 30 minutes de fête, bravo. Il en reste 30. On lâche pas. Désolé, j'ai monté mon fan une coche de plus. Alors, 12, 10 secondes. On part pour un 45. Ça va être notre sixième. Let's go, après ça la moitié de fête. Let's go. On spin. On se met de la résistance. Ouh. Attention. Vingt secondes. Ok. On n'oublie pas, on boit de l'eau. Oh. Allez, la moitié de ça, c'est bon. Bravo. Une minute vingt. Oh, il fait chaud chez nous. Une minute. On retombe. On retombe dans six. 6 d'intervalle, puis c'est fini. Oh, je sais pas. Trente secondes. Oh. Les intervalles sont pas faciles. C'est normal. Faut qu'on se rende à la fin. Aussi fort. En 20 secondes. C'est juste un petit 45. On est capable. N'hésitez pas si vous sentez que vous avez de la misère. Trop de misère. C'est normal que ça fasse mal. C'est normal que ça soit difficile. Mais il faut se rendre jusqu'au bout. Aussi fort. Donc, si vous avez peur. Oh, let's go. On pédale. Attention.
5 secondes, on lâche pas. Cinq, quatre, deux, un. Ah, let's go, bravo, bravo, bravo. Ah, sept de fait. On lâche pas. On boit de l'eau. Super important. Ah, 1 minute 30. Après lui, on a le 2/3 de fait. Good job. Ah, c'est juste des petits 45 secondes. Allez, 1 minute. On respire comme il faut. Pas si bon, super ventilé, mais on peut se permettre des bonnes respirations. Ah, 40 secondes. On lâche pas. Il en reste 5. Ok. 10 secondes. On lâche pas. Un autre petit 45. On augmente la cadence. On augmente. Allez hop. 3, 2, 1, allez, 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 ah, allez, il faut que ça soit quand même une bonne résistance. Allez, 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 ah. Oh, ça fait, ça chauffe, c'est normal. Vingt secondes. Allez, 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 15, 10, allez, 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 oh, 170, 172, oh, c'est trop pour moi ça, allez, allez, 3, 2, 1, c'est bon, good job, last 4, oh, j'ai la misère. Ok. Allez, il faut que mon cœur descende. On boit de l'eau. Si vous ne sentez pas bien, diminuez. On respire. Bonne respiration. Une minute. Il en reste 4 à faire. Let's go. Je vais essayer de me rendre. Vous aussi, vous soyez, il faut que vous vous rendiez. 15 secondes. On est supposé avoir quand même une résistance ici. Là. Il faut travailler. Là. Les pédales ne veulent pas tout seul. 30 secondes. 20. Commencez à penser à augmenter la résistance. Ah, 10 secondes. Oh, il en reste 4, on lâche pas. 5, 4, 3. On pédale plus vite.
Let's go, la résistance. Attention. Je change vraiment de place un peu. 5 secondes. Allez, 2, 1, bravo. Allez. On revient avec la distance. Je vais être obligé de résoudre. Vous voyez, j'ai commencé trop fort. Les jambes veulent plus. Il en reste 3. On lâche pas. Moins de 20 minutes à faire. 3 intervalles. On lâche pas. Il reste 40 secondes avant le 40 secondes. On lâche pas. On lâche pas. Il en reste 3. Allez, faites-le avec moi. Ouh! C'est pas facile. 30 secondes. On se donne jusqu'au bout. 20 secondes. Ok, 5 secondes, 4, 3, on mouline, on augmente la distance, let's go, 40 secondes, 45 secondes, on lâche pas, on mouline, faites pas comme moi. Cinq, quatre, trois, deux, un, let's go. Oh, c'est bon. Il en reste deux. On mange pas. Oh. Oh, mais j'en veux plus. Vous voyez, mon rythme cardiaque a beaucoup discuté à descendre. Malgré le fait que j'ai diminué la puissance, ça c'est signe que c'était un entraînement trop difficile pour moi. Ça peut être pour différentes raisons. Soit que je passe en forme, ou soit que je me suis trop entraîné dans les derniers jours. J'ai fait du vélo hier, samedi. Ça peut être une raison. Il en reste deux, on lâche pas. Ah.
30 secondes. Ah, 30 secondes, 25 secondes. Ah. 10 secondes. Allez, let's go. Oh, oui. Il en reste deux. On lâche pas. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, let's go, let's go, let's go. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. On revient de résistance raisonnable. Oh. La résistance, ça va être la dernière. En 75, je suis assurément dépassé ma limite. Ah, 1 minute 30 pour les derniers 36 heures. Le calvaire achève. Dans 2 minutes, c'est fini. Ah. Bon, respire bien en bois de l'eau. 1 minute. Ah, j'espère que vous allez finir le dernier aussi fort que vous avez commencé le premier. 45 secondes, allez. 30 secondes. Notre calvaire achève. Lâchez pas. Dans 15 secondes, on se fait un 45. C'est fini. 10, 8, 5, 4, 3, hop, 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 on monte les gays, hop, 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 allez, on va les gagner en 46 secondes, c'est le dernier, on lâche pas, déjà 40, c'est bon, good job, good job. On revient un peu de résistance quand même. On finit le dernier 2 minutes à moyenne résistance. Et good job. Je vous l'avais dit au début, ça serait pas facile. En tout cas, pour moi, ça l'était pas. Un petit minute 10, après c'est un cool down. Ah, bien mérité. Le cool down, ça va être progressif.
On va redescendre la distance tranquillement. Okay. Pour les premières secondes, minutes, on va rouler à la même. Après ça, on va descendre tranquillement. Là, j'ai 30 secondes. Ouais. On est dans 9 minutes cooldown, vous voyez, c'est déjà, on est déjà réduit en bas de 200. Fait que vous pouvez prendre ça un 4 environ. C'est supposé être plus facile. C'est ce qu'on va lieu de faire. Ouais, c'est beau. Good job. Si vous l'avez complété aussi fort que le début, chapeau! Ah, good job! Ouais. Pour ceux qui s'intéressent au watt par kilo, ils viennent de rendre compte que ils sont pas bons. J'ai prêté mon account à ma copine qui fait des allumes une fois de temps en temps. Puis c'est son poids. Je trouvais mon wattage par kilo élevé aussi. Ouais. Donc fiez-vous pas au wattage par kilo, c'est pas le bon. Je suis moins pesé. Le poids que dans ça, je suis désolé. Actuellement, j'aurais dû mettre le bon poids, mais ma copine, elle prend vraiment pas souvent. Fait que je l'oublie en ce moment-là. Je pourrais le changer tout de suite. Je fais ça tout à l'heure. Alors, 6 minutes, la résistance a diminué encore considérablement. On est à 3,5, une petite résistance, rien de trop fort. Donc, des entraînements comme ça, je prévois en faire un par semaine, tous les lundis à 7h30. Donc, vous pouvez me joindre si vous désirez. Ouais. Il y en aura toutes sortes, je vais les faire varier. Par la suite, il y a aussi les sorties virtuelles, pour ceux que ça peut intéresser. Mercredi et dimanche, mercredi soir et dimanche matin. Vous devez avoir l'application Zwift, par exemple. Vous pouvez faire un essai gratuit si vous voulez. Je ne suis pas commandité du tout. Je vais juste vous partager les possibilités pour faire du vélo virtuel. Ça soit plus intéressant. Hein? Parce qu'on est confiné, qu'on ne peut pas se garder en forme. Ouais, surtout que l'été arrive, on le sent. On va pouvoir le rouler dehors. Mais on va déjà être prêt. On va déjà avoir une base pour attaquer. Pour attaquer les petites côtes, ouais, pour rouler
5 morts, pouvoir rouler une heure et demie, puis pas être fatigué. Ouais, ça se construit tout l'hiver actuellement. Mais bon, on vous offre la possibilité de le faire en virtuel. Vous devez, pour les sorties virtuelles, comme je vous ai dit, vous devez avoir Zwift, puis vous devez suivre le club sur Zwift. Donc, il y a une application cellulaire qui vous permet de rechercher des gens. Vous devez trouver la sortie virtuelle du club de Lévis. Et puis on va, après ça, quand vous êtes vous suivez ce club-là, on va vous envoyer les invitations pour suivre nos sorties virtuelles. C'est des sorties où tout le monde est regroupé ensemble. Il y a une option. Donc les gens ne peuvent pas être largués, même si vous n'êtes pas de la même force que les autres. Vous ne serez pas largués, on va rester un simili-groupe. Là, des fois, ça se distance un peu, là, mais jamais très loin. Et de plus, si jamais vous voulez participer, ben, on a mis en place une salle de communication vocale qui s'appelle Discord. C'est un programme sur lequel on peut avoir accès à des chambres. C'est gratuit. Et puis on en a créé une pour les sorties virtuelles, donc on peut se parler. Donc, ça fait un peu social. Et de plus aussi, on peut se parler là, sur le clavier, là, dans l'application directement. On peut écrire des choses, donc on peut se communiquer entre nous. Ça fait un peu de social. Ça fait du bien. Ouais, dans ces temps. Donc, on lâche pas 3 petites minutes. Je ne vous l'ai pas dit, là, mais la résistance est supposée être presque minimale. Presque plus rien. On fait juste tourner les jambes, s'assurer que le sang circule. Ouais, le rythme cardiaque descend tranquillement. Ça fait du bien. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. C'est la première fois que j'animais un spinning. J'ai jamais même assisté à un spinning. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas pour me l'écrire. Ça vaut toujours la peine de s'améliorer. C'est d'offrir des services à nos membres. On fait ce qu'on peut. Donc, je m'appelle Vincent Deschênes. Ouais. Si jamais vous voulez communiquer avec moi directement. Ouais. Ah, il reste un petit 2 minutes 15. Let's go. N'oubliez pas, vous continuez à vous hydrater. Aïe. 1 minute 30. Là, c'est vrai, là, on tourne vraiment juste pour dire qu'on tourne les jambes. Là. C'est important de faire ça, ça fait bien circuler le sang. On a accumulé de l'acide lactique, différentes choses dans nos muscles. Donc, continuer à pédaler, ça aide à éliminer ça, à récupérer mieux, pouvoir mieux s'entraîner la prochaine fois. Donc, ça vaut toujours la peine de prendre un petit 10 minutes pour continuer à faire fonctionner la machine, pour être sûr qu'on est prêt à recommencer le plus rapidement possible, à être en forme. Ouais. Donc, un dernier petit 30 secondes, je vais en profiter pour encore vous dire merci. Et puis, pas hésiter si vous avez des commentaires, on se revoit lundi prochain si vous voulez, pour un autre entraînement à la même heure. Je vais le mettre sur le site du club lequel on va faire. Donc, à la prochaine!